Nous le savons, celui qui t'a guéri est un homme pécheur. » Il leur répond: « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. » Il lui demande: « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» L'homme leur répond: « Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. » Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent: « C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. » L'aveugle guéri leur répond: « Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. » L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondent: « Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose ?» Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit: « Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme ?» L'homme lui répond: « Seigneur, qui est-ce ? Je veux croire en lui. » Jésus lui dit: « Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. » L'homme dit: « Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit: « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. » Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent: « Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répond: « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites: « Nous voyons clair. » C'est pourquoi vous restez des pécheurs. » Fayons travail pour démontrer au
choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur. N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, et je sais que ton cœur de paix écoute chacun de mes soupirs. Et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce. Lorsque je demeurais devant ta face, mais là dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager ma souffrance. Le sang de l'agonie et de l'absence, voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi. Que le monde